Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais parler de la ville de base d'Aventure Bio, Annecy, et de son lac que vous connaissez peut-être et qui a quelque chose à vous dire. Allez, suivez-moi. Alors normalement le lac d'Annecy ça ressemble à ça, vous êtes peut-être déjà venu en vacances, et en ce moment le lac d'Annecy ça ressemble à ça. Donc voilà, ça c'est le niveau le plus bas où il a jamais été. Il paraît qu'il faudrait 2 mois de précipitation pour le remplir à nouveau. Donc ça c'est dû au réchauffement, à un été particulièrement chaud, à un été caniculaire. Voilà, donc ça c'est un truc que je voulais vous partager pour que on puisse voir que le changement climatique c'est maintenant, c'est un peu sous nos yeux, que ça fait quelque chose, donc prendre un petit temps pour l'accepter, et que ça pose pas mal de questions pour qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça. Ce que je vous propose de vous poser c'est: est-ce que votre activité professionnelle, l'activité sur laquelle vous passez des dizaines d'heures par semaine, et elle fait plutôt baisser le niveau du lac ou monter le niveau du lac. Quand on y réfléchit bien, c'est aussi plein d'opportunités, plein de nouvelles choses qu'on peut re-questionner. Un truc tout bête, c'est qu'avec ce lac qui a baissé, ça a libéré pas mal de déchets comme ça, que des associations ont pu commencer à ramasser. Donc en fait, il se passe quelque chose sous nos yeux, ça nous questionne et ça peut aussi nous mettre en mouvement, et puis ça peut aussi ouvrir des choses qui n'étaient pas possibles avant. Là on a devant nous les choses qui sont en train de changer, le climat qui est en train de bouger, et c'est vrai que ça suscite plus de questions chez les gens, et c'est peut-être le moment de trouver des idées pour changer les choses.